les petits loups. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo où là on part au centre commercial. Ah, il y a du vent. On va aller faire les magasins genre Zara, Bershka, etc. Et du coup, on va choisir chacun trois tenues. Voilà, moi je choisis trois tenues pour lui et lui je choisis trois tenues pour moi. Donc c'est parti. Je suis dégoûtée, il y a presque que de la merde. Waouh, c'est super moche. Il est beau ce short, mais il déteste les shorts. Ce bomber, ce jaune, il est vraiment grave BG. Oh, j'aime trop cette veste. Je sais pas s'il va aimer. Il est trop beau aussi le t-shirt. Putain, ils ont fait une jolie collection en vrai, mais il n'y a que du L. XL carrément. Donc j'ai demandé la veste en S là, celle-ci. Elle est trop belle. Oh là là, j'avais pas vu le dos, elle est trop belle, c'est sûr que je vais l'acheter. Et c'est faux ce qu'on dit sur les vendeurs Zara. En tout cas, la dame, elle était très gentille. Bon, mais il n'y a pas de S, à part dans d'autres magasins. Mais franchement, elle a l'air de taille quand même petite. Je viens de l'essayer là. Et ça va, franchement, elle me va bien. Même moi, je crois que je vais lui piquer, c'est sûr. Elle est trop belle. Oh, je suis trop contente. Je sais pas si je lui prends ce t-shirt rose avec. On voit pas, mais c'est rose pétant. Après, c'est pas trop le même rose que lui. C'est ça que je trouve dommage. Après, il y a ce t-shirt sinon, que j'aime beaucoup. Il m'avait dit, ouais, j'aime pas trop Mickey, gnagnagna, alors qu'il est vénère et tout, Mickey, il est stylé. Je sais que les cargos, ça lui va trop bien, donc je me suis dit, c'est pas facile d'associer une veste en jean. Après, il faut oser avec un jean, mais là, il y a que des jeans bariolés, donc je me dis que vu qu'elle est bariolée, ça va pas faire super joli. Donc je me suis dit qu'un petit cargo comme ça, même s'il en a déjà pas mal, ça pourrait être trop joli. Bon, allez, go, je passe en caisse. J'ai acheté ma première tenue. Bon. Je vais aller dans le Zara, je vais lui acheter que de la merde. Bon, je vais essayer de lui trouver. Donc on a dit trois tenues. En même temps, elle a déjà tout le magasin. Donc ça va être très compliqué. Ça, j'aime bien. Pas mal. Je sais qu'elle aime bien les trucs de Disney, les trucs comme ça. Ça, c'est stylé. On va lui prendre ça. On part là-dessus. Ce petit t-shirt super sympa. Ça va lui faire un look d'enfer. Si je ramène un bail comme ça, elle va pas du tout aimer. Je vous jure que c'est dur. Ça est tellement compliqué. Oh là, il n'y a rien. Ah là, ça peut être des couleurs qu'elle aime. Regardez, je vous montre par exemple. Ce genre de truc, c'est magnifique. Je suis d'accord. Elle a déjà des trucs comme ça. Est-ce que je tente ça ou pas? Trop risqué, ça. Trop risqué, ça. Ce genre de truc, elle va regarder. Elle va me dire qu'elle aime pas du tout. On va essayer de trouver un petit jean au moins pour aller avec. Alors, les jeans, c'est pareil, c'est super dur parce qu'il lui faut des high rise, quoi, des tailles hautes. Ouais, si je sorte un jean comme ça là. Ça peut être pas mal. Bon, du coup, on a ça pour le moment. Hop. Top premier ensemble. Bon, je vais tout retourner dans le Zara dans 2 minutes. Vous voyez, faut qu'il y ait écrit ici là, high rise en haut. J'aime pas du tout comment il finit. Vous savez, le bas des jeans, c'est grave important en vrai. Ça, c'est mignon. Ça, en plus, je sais qu'elle va bien aimer. Vous savez, les crop tops et tout. Si elle pouvait être des crop tops toute sa vie. Ah, ça, c'est beau. Ça, c'est le genre de truc, genre boyfriend un peu. Il n'y a que du 32. Je vais demander une vendeuse. Ouh, les vendeuses, ouh. Bonjour, excusez-moi, je veux savoir si vous aviez ça en d'autres tailles, parce qu'il n'y a que du 32 et du 40 et il me faudrait du 38. Elle connaît sa taille, elle a déjà essayé, parce que t'as ouais. Grand celui-là. Ah ouais? Oui. Ouais, mais 38-32, il y a quand même une grosse différence. Hein. Il y a 34 et 36 entre. Ouais, ça fait beaucoup, non? Je vous avoue, je prends des risques. Je vais trouver un autre petit bas, je pense qu'elle va bien aimer, mais j'ai peur qu'elle l'ait déjà. On va pas prendre le risque. Ça peut être des genres de trucs, vous savez qu'elle aime bien. Il est en bas un peu large, on passe en caisse. Bon, j'ai fini. Elle m'a acheté de la merde. Bon, je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais moi pas, aussi, j'ai acheté. Regarde je regarde pas. Je regarde app. J'ai trop chaud. Ta taille, c'était bien 47. Oui, mais oui, effectivement, oui. Je suis sûre qu'il m'a acheté ce genre de merde. Enfin, c'est pas que c'est la merde, c'est que c'est pas du tout mon style. Moi, j'ai juste pris les chaussures, ouais. Ah, ah, merci, ah, ah super, je suis contente. On va aller à Undies ou pas? Important. Bon, on est à Undies. Undies, elle a tout le magasin. Hop, c'est ensemble. On voit pas très bien là, mais après, quand on va le mettre, vous allez voir ce style et ce que j'ai fait. Je vais prendre ça. C'est une petite combinaison. Je vais la montrer après sur le mannequin. Passage en caisse imminent. Bon, à la fin, je vous ai montré ce que j'avais pris, mais à la fin, en caisse, j'ai vu un autre truc. Du coup, j'ai craqué. J'ai rajouté un petit truc que vous avez pas vu. Vous le verrez après quand elle fera les essayages. Ouais. Bien évidemment, elle est au courant de rien. Elle est quand même arrivée devant Undies en me disant « Ah, ça, j'aime bien là-bas. » C'est toi, tu l'as pris, la petite combinaison? Non, non. La combinaison orange, jamais tu la mettras. Jamais. Pourquoi? Jamais. Pourquoi? Parce que... Après, ça, je vais l'acheter. On va voir Bershka.
Allez, Bershka. À moins que tu veuilles aller à Promode. Non, merci. Bon, allez, go Bershka, donc chacun son côté. Fais attention à ce que tu prends, pas de truc de grand-mère. Tu veux me faire changer de style, tu veux me faire porter des talons aiguilles et tu vas retourner, te faire tout échanger, je vais bugger. C'est là l'entrée. Ciao, bye. Bye, chacun son côté. Moi, je vais là-bas et lui, il va là. J'ai envie de lui acheter grave de conneries. Je sais qu'il déteste ça, là. Vous voyez les chaînes comme ça, genre bling bling. J'ai trop envie de lui acheter des trucs comme ça. Regardez ce que j'ai vu aussi. C'est trop moche. En vrai, j'aimerais bien lui prendre ça. C'est trop stylé. Vous avez vu mes ongles, ils sont trop beaux. Il n'y a que du L, je crois. Je suis choquée, déçue. Il n'y a que de l'Adobe. Vraiment. Franchement, il n'y a rien que j'aime là. Je suis déçue de fou. Je pense qu'on va aller à HM parce que là, je vais jamais lui faire 3 tenues. J'aime pas. Ça passe, mais voilà, c'est pas le fire. Le seul jean que j'aime bien, c'est celui-ci. C'est ce t-shirt que je kiffais bien. Il est tout simple. Il est violet avec un petit truc en bas là. Je sais qu'il va super bien avec ce genre de pantalon, mais est-ce qu'il va le mettre? Alors, ça, c'est une autre question. J'ai pris ce jean là. Il est quand même joli, mais il est très serré. J'ai fait du 40, j'espère que ça lui ira. Avec le violet, je trouve trop beau. Bon, mais c'est bon. J'ai 2 tenues. Il m'en manque une. Je vais aller à HM. J'espère que je vais le trouver. Voilà, du coup, on est chez Bershka. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir le trouver avec tout ce qu'on a déjà pris. Tout à l'heure à Zara, j'ai pris un bas, le bas noir. Il faudrait que je trouve un petit haut qui va avec. Vous voyez, genre cette couleur là, c'est la même matière. Ça peut faire très joli, non? Ma chérie, on adore. Pour le dernier, on va faire un truc risqué. On va prendre un truc, vraiment une robe. On prend un peu plus de risque. Ça, elle va adorer. On va prendre ça. Vous voyez, ce genre de truc un peu là. Un truc qu'elle va détester. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je vous montre. Comme ça, c'est une longue combinaison attachée dans le dos comme ça. Cette couleur là, ça va lui aller trop bien. Mais sur la vie de ma mère, qu'elle va détester. C'est sûr, je la connais. Je crois que je vais partir là-dessus. Hein. On va en caisse et après, je pense que ça sera pas mal. Après, on va aller à la maison essayer tout ça. Bon, moi j'ai fini. Léna, elle est toujours dedans. Donc, on va en profiter pour aller chercher, je sais pas, un petit truc pour lui faire plaisir. Un McFlurry par exemple, un petit truc comme ça. Et regardez ce qui arrive là. Regardez là. Quelle beauté! Mais quelle beauté! En plus, non, t'es belle mon amour. C'est trop serré, il y a pas. Pourquoi je regarde? Non, pourquoi tu regardes? Tiens mon petit gars. Oh, merci. Waouh, il y a déjà tout ça. Ah, on voit, il faut pas que je vois. Bon, là du coup, je suis à H&M. J'ai pas beaucoup d'espoir. Je vous avoue que je suis pas trop fan d'H&M, mais on va voir. Oh, regardez, c'est ma robe Fanta. Bon, mais vu qu'il y a que de la merde, je pense que je vais prendre ces petites chaussettes. Elles sont trop mignonnes. Regardez-moi ça, franchement, c'est une lâchie, me dis pas. Regardez ce que j'ai trouvé. Bon, mais pour la peine, comme je trouve rien, je vais lui prendre ça. Voilà, on va bien rigoler. Bon, mais peut-être que la dernière tenue, c'est de la merde. Mais au moins, j'ai mes 3 tenues. Allez, on rentre à la maison. Bon, on va bien rigoler, je pense. Bon, du coup, on commence par qui? Tout le monde essaye tout. Chacun son tour, quand même. Oh, cul. Jésus. Ça. Il y a un truc qu'on peut acheter des vêtements, on peut aller déguisement. Tiens, si prends rien, là, tu l'as vu, vas-y, prends. C'est ça. Ouais. Bon, et là, vous savez, vous avez vu, c'était chez H&M, il y avait que de la dope. Je trouvais ça sympa. Les chaussettes. Eh, mais ça tue sa mère. J'adore. C'est vrai? Ouais, je te jure, j'adore. Ah. Ticket dans le trou du cul. Pas mal. Pourquoi c'est serré? Disons que je suis un petit pétard. Oh ouais, c'est dodu quoi, c'est. Eh ben, c'est stylé de ouf. Oui, au final je pensais qu'il allait pas aimer, au final il kiffe. Vas-y, mais donne-moi. Oh, donnez-moi. Ça. Avec ça. C'est quoi ça? C'est Bershka, Zara? Oh, c'est grave à la mode en plus. Quoi cette merde? C'est trop bien. Non, c'est bon. Ça me rend dans la chkoumoune là. Ça fout un peu la chkoumoune. C'est trop moche. Regardez-moi cette merde. Il va casser le truc là. Oh, c'est dégueulasse ce que j'ai acheté. Mets-le au moins avec. Bon, le haut j'adore parce que j'ai les mêmes en blanc. Par contre le bas, c'est une sacrée merde. La matière elle est infecte, hein. Ah ouais. Non mais t'avais bien joué, hein. C'est grave à la mode d'aller pantalons comme ça là. Mais lui il est vraiment pas tip top. Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas?
que ça fait 55, je pense, non? C'est 38. Mais si, je suis trop grande, tu vois bien comme j'ai là. Demandé à une vendeuse et tout. Ah ouais? Il est magnifique, j'adore. Très belle chose, j'avais pas vu. Mais sur un cycliste en dessous. Voilà, cycliste. Ok, voilà, c'est la prochaine tenue. Attends, tu m'as acheté que de la merde, quoi. Il est pété de rire, tu m'as acheté que de la merde, trop pur. Wow. C'est l'été à Bamako. C'est sexy chocolat ça mec. C'est chocolat. C'est grave sexy chocolat. J'en sais rien putain, j'ai jamais porté. On va voir ma ridicule comme ça. Ouais, un peu pour. Mignon quand même. Ouais, trop mignon mais t'es trop mal. Voilà, très joli, très bon goût. C'est juste que le haut il est très serré et le short il est un peu. Ça, c'est la, je crois que c'est la première. Un peu gourmand. Allez, on enchaîne. À toi ou à moi? À toi, toujours. Oh oui, j'ai acheté ça, ça c'est super mignon. Elle est trop belle, Shandy's, mais un peu transparente. Je veux beaucoup, mais elle est magnifique. Et du coup, je vais la mettre quand si elle est transparente? Oh, wow. C'est ça que vous avez pas vu, j'étais en caisse. Et là, j'ai vu ça, du coup, je l'ai pris. C'est en matière. Velours. Oh, j'adore, il est magnifique. Ah bah, il est bien. Il est trop bien, je l'adore. C'est un pyjama. Mettre pour sortir à bord. Un autre pyjama. Écrit Yes Queen. Ah, c'est pour Benoît. Bon, par contre, taille haute, ça aurait été mieux parce que là, mon gros bide, il est très joli. J'adore, c'est trop mignon avec les petites fleurs au téton. C'est trop, trop cute. Ah, j'adore. Et le dos avec le dos comme ça. À toi maintenant, non? Ou encore à moi? La dernière pour toi. Hein? Je regarde les tickets. Non mais elle est belle. Oui elle est belle vraiment. C'est une combinaison. Donc c'est très bien ce qui va se passer. C'est qu'elle est trop petite en hauteur en longueur. Oh, c'est pas trop moche. Oh, c'est dégueulasse. Regardez les yeux, frère. Il manque de tissu. C'est archi mort. Oh, je suis désolé. Oh, y'a rien qui va. J'avais trouvé que des trucs de merde. À toi. Alors on commence par le moins bien, celui-ci. Et le t-shirt, j'adore. T-shirt, c'est top. La couleur, elle est magnifique. Vous voyez, et ça. Vous voyez, ça lui va bien. Hein. L'étiquette, elle est blanche, elle est trop belle. Il est trop beau le t-shirt. Ah, je suis contente. Et le jean, t'aimes bien? Vas-y, recule-toi pour qu'il voit le jean. Il est beau le jean. Hein, ouais, j'aime bien. Non, franchement, bien wesh. Après, là, c'est ce qui tape le plus. T'aimes bien le t-shirt rose? C'est oversize. Ouais, il est grand. Il est trop beau. Oh, je peux même pas lever la pêche. Ah ouais, ça frappe de ouf. Faut juste M en bas. Ouais. M en bas. Ouais, parce que je trouve ça. Et la pièce finale. Ils ont ça. Ah ouais. Ah, je fais trop mal à la gueule, non? Magnifique. Par contre, c'est M. Mais regarde comme elle taille, franchement, c'est sûr que ça va pas aller. Ouais. Elle est trop belle. Je l'aime trop. Et le derrière, oh là là, le derrière, comment elle fait trop mal à la gueule rousse, le derrière. Oh là là, elle est magnifique. Ouais, mais ça. Pff, avec tes sacs carrés, avec tout. Et la qualité et la quantité. Moi j'ai fait la merdité et la quantité. Elle est belle, celle-là est belle. Tu sais que ça, c'est la dernière pièce du puzzle, c'est celle que j'ai achetée à la fin, j'ai dit en gros. T'as c'est eu, quoi. La petite pépite, quoi, c'est la petite bombe quoi, pour la fin. Bon, on va faire le tri.
En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos si vous en avez. On vous fait de gros bisous, à bientôt.